Gagnant de groupe 1 à 2 ans, tout en descendant d'une souche maternelle d'Auteuil, frère du champion mailleur Fuissé, Full of Gold s'installe pour la première fois dans l'Ouest en 2013 au haras du Grand Chênay. Né au haras du Quesnay, auquel il appartient toujours, l'imposant fils de Goldaway est issu d'une mère et aussi d'une grand-mère qui se sont illustrées au top niveau d'Auteuil avec, respectivement, Funny Fairy, double gagnante de l'Istud, dont le prix Finot, et Funny Pearl, aussi double lauréate de l'Istud et placée des prix Cambacérès groupe 1 en haie et Orcada groupe 2 en stiple. Néanmoins, sous l'entraînement de Christian Edmarek, Full of Gold démontre une précocité telle qu'il remporte le Critérium de Saint-Cloud groupe 1 à 2 ans sur 2000 mètres. Les gens qui ont utilisé le cheval en sont très contents. La preuve, il a eu des chevaux primés lors des choses, vous savez, des shows d'AQPS. Voilà, d'AQPS. Et puis, je sais que M. Macaire en a choisi plusieurs et qu'il les aime bien. C'est un cheval qui va sûrement réussir. Lui avait beaucoup plus de tenue que Fuissé. Il avait gagné le Critérium de Saint-Cloud à 2 ans. Sur 2000. Sur 2000 mètres. Et c'est un très joli cheval physiquement, il a beaucoup de classe, c'est un très joli cheval. Moi je suis convaincu qu'il réussira aussi. À 3 ans, il confirme par un succès à Longchamp dans le prix Noailles, groupe 2. À 200 mètres du but, mais voilà Full of Gold à son extérieur avec Montelicon, Court Cannibal également qui refait beaucoup de terrain. Court Cannibal, Full of Gold pour la victoire avec Blue Brésil qui est toujours là côté corde. Full of Gold qui repart maintenant, Full of Gold devant Court Cannibal, Full of Gold qui va s'imposer. Puis il conclut deuxième de la Coupe de Maison Lafitte groupe 3 devant Chinchon et remporte la 4e victoire de sa carrière à 4 ans en battant Alpine Rose, gagnante de groupe 1 quelques mois plus tard. Full of Gold a réalisé ses 3 premières saisons de monte au haras de l'Abbaye près de Limoges avec une moyenne de 70 juments par an. Il arrive en 2013 en Mayenne au haras du Grand Chênay.